Sous le soleil de la Black Mountain. Ah là là, quel cul extraordinaire. C'est beau. Salut à tous, bande de grubbers. J'espère que vous allez bien, les gars. Qu'est-ce que ça fait plaisir, un petit peu de bon temps, un petit peu de soleil du sud. Ah, ah, t'es mort, Ken Fraze. On parle un peu, parlons bien. Aujourd'hui, nous allons tout simplement parler de la soubie. Il était temps, frérot. Alors, Moby, qu'est-ce que tu branles? Pourquoi une soubie? Pourquoi t'as acheté ça? On comprend pas, frérot. Ah, je vais t'expliquer. Alors, comment j'ai fait l'acquisition de cette petite soubie du lore? Alors, c'est tout bête. Il y a un petit moment, déjà, j'avais... break GT 555 en fait, que je stockais depuis quelques années, on va dire. Voilà, donc c'est une série limitée suisse qui n'est sortie qu'à 237 exemplaires, je crois, je sais plus. Bon, bref, j'avais la plaque numérotée au niveau du pompe de vitesse. Le souci, c'est que bon, déjà les GT, j'ai fait un petit peu le tour parce que j'en ai eu 4 au total, et puis bon, la GT, c'est quand même. L'une des plus, on va dire, radicales pour tous les jours, famille et tout, tu vois, le confort, c'est quand même en retrait, c'est vraiment à l'ancienne, on va dire. Donc je comptais tout simplement la vendre pour, à la base, donc me prendre une STI-10 ou une 11, ou voire même une 12, tu vois, de 2018. Voilà, quelque chose de beaucoup plus récent. Le souci, c'est que, bon, ben, voilà, moi, je me suis arrêté chez Soubi, donc au 2 litres à l'époque, tu vois ce que je veux dire. Donc, le 2 litres 5, j'avais pas vraiment de son de cloche sur ce moteur. Puis, à force de me re-renseigner avant de me mettre dans le bain, etc., bon, mais c'est là que j'ai compris que, voilà, c'était tout simplement un 2 litres réalisé, machin, les pistons en carton, enfin, bref, plein d'avaries, plein de soucis sur les 2 litres 5, la crépine qui lâche. Bref, donc j'ai dit, on va pas commencer les emmerdes, Moby, tu as compris. On repart sur un petit 2 litres. Alors, comme la plupart des propriétaires Soubi, bien évidemment, je cherchais de base une 8,5 WRX STI 8,5 ou 8. Mais surtout, j'avais un critère très important, c'est-à-dire que je voulais vraiment qu'elle soit très peu kilométrée, en parfait état, avec un suivi de dingue, etc. Parce que le souci de ces voitures, c'est qu'elles ont été tellement préparées à l'arrache par Tartampion et compagnie. C'est compliqué, on va dire. C'est compliqué, ça tombe. Voilà. Ça peut tomber en panne assez facilement, etc. Surtout quand, voilà, quand c'est préparé par Twain Swain, le libertin, tu as compris. Malheureusement, voilà, WRX STI 8 ou 8,5, c'est juste introuvable avec les critères que je voulais. Donc je voulais qu'elle ait moins de 80 000 km et suivi, et c'est juste introuvable. Même en imitant le prix, c'est même pas une question, voilà, mais introuvable. Introuvable, elles ont toutes maintenant 150 000, 180, donc... Je vais me faire couler un petit café parce que, bien évidemment, dès que tu commences à filmer, ça y est, commence à avoir l'anglais qui sort, l'autre qui sort, machin, escournifle, ils sortent les jumelles. Pff, ça me gonfle, ça me fatigue. Je vais monter la grande muraille de Chine, on va l'appeler la grande muraille de Moby. 2,50 m de haut, tout le tour du jardin. Donc, bon, ben, compliqué à trouver, voilà, tout simplement. Donc, je décide de mettre mon break en vente et je marque échange possible contre Subaru un peu plus récente en 2 litres. Donc, WRX ou WRX STI de 2001 à 2005. Voilà. J'ai été contacté tout simplement par un mec adorable, Daniel d'ailleurs, si tu vois la vidéo, je pense que tu la verras, mais qui est tout simplement, je pense, l'un des plus gros collectionneurs Soubi en France. J'ai jamais vu une telle collection. Il collectionne en gros toutes les Soubi séries limitées de tous les pays. Voilà. Il les a quasiment toutes, du moins jusqu'à présent. Donc, ben, tout simplement, en m'étalant sur le bon coin, il me contacte, machin, il me demande des spécificités, si j'ai bien la plaque numérotée, je lui montre les bandes latérales, etc., qui sont spécifiques sur la série limitée 555 suisse, qui n'a rien à voir à la série limitée 555 française, voilà. Et il m'explique donc qu'il lui manque ben, ce break-là, donc série limitée suisse, et l'édition Catalunya, donc, qui est sortie en Espagne, avec les sièges rouges et noirs, etc. Donc une fois que ben, j'ai envoyé le VIN, machin, qu'il a vérifié que bon, la mienne était en excellent état, etc. Il faut savoir donc que ce GT là avait 42 km de mémoire d'origine, voilà, et en parfait état, que j'ai toujours conservé comme il se devait. Donc il me dit, bon, malheureusement je n'ai pas de WRX STI qui pourrait te correspondre. Par contre, il me dit, voilà, vu que ce n'est pas une série limitée, peut-être j'ai quelque chose qui pourrait te plaire, frérot.
Eh bien, ma chaîne m'envoie les photos, donc cette WRX 2001 Bug Eyes, voilà, Bug Eyes pour les pharaons là-bas, qui donne un air d'insecte, de menthe religieuse, comme ça, Kung Fu Panda, tu connais. Mais forcément, voilà, quoi, il m'envoie l'historique, donc première main, achetée par lui neuve, en concession de Subaru, toujours bien entretenue. J'ai tous les CT depuis 2001, vierges, tous les CT ont été vierges, juste une fois ou deux, vous savez, que tous les CT. Se font un malin plaisir à te mettre, c'est faire un petit brouillard, réglage trop bas, machin. Bon, bref, ça, toutes les voitures, elles y passent, on dirait qu'ils le font exprès, c'est fumé. Ah, ta gueule, la machine, c'est dingue! Et là aussi, ben voilà, j'ai fait un Istovec, un grand vertical limpide, donc de 0 km jusqu'à présent. On voit vraiment l'évolution de la courbe, machin, ça fait pas des zigzags bizarres, compteur reculé ou autre. Vraiment totalement limpide, donc les CD qui vont avec. Rien à dire, double des clés, machin, les deux télécommandes marchent, la centralisée des deux télécommandes fonctionne, enfin vraiment, elle est en parfait état, pas un pet de rouille. Voilà, il n'y a que le crochet d'attelage arrière qui commence un peu à rouiller net, mais bon, ça, vous avez compris, vous connaissez mon vie. On va l'aérogommer, on va y mettre une peinture époxy noire, ça sera pépite, ça bougera plus, t'as compris l'histoire. Donc ouais, vraiment une soubie d'une limpidité incroyable, donc ben, j'ai dit, franchement, c'est ce qui me correspond, quoi, tu vois. Le seul problème, c'est que, ben voilà, au moment où je lui demande tout simplement d'où vous êtes, il me dit, je suis vraiment du Schnorr, presque Lille, tu vois. J'ai dit, poubelle, je sais pas si t'as vu, mais moi, je suis un peu à l'opposé, voilà, donc c'est compliqué, machin, pouvoir venir récupérer clairement, je sais pas comment je pourrais faire, etc. Et il me dit, non, mais il n'y a pas de souci, machin, voilà, lui, il devait descendre, donc, ben, sur Cannes. Pour faire quelque chose, voilà. Et donc, ben, j'ai dit, ça serait pas mal, voilà, si vous pouvez faire un petit détour par Carca, machin, et puis aucun souci. Donc, il me l'a ramené à la maison, et il est reparti avec le break. Voilà comment ça s'est fait, tout simplement. J'ai fait, entre guillemets, voilà, un échange de Micmac d'une pierre de coups. Je suis parti sur un produit quasiment similaire. Bon, elle a 12 000 km de plus, à peu près, que la mienne. Elle est plus récente, elle a un historique tout aussi limpide, donc pour moi, ça matchait, quoi. Voilà, c'est. C'est pile ce qu'il me fallait. Petit regret de ne pas avoir une STI, voilà, parce que c'est quand même plus solide, une vraie boîte qui encaisse le couple, etc. Pas du tout comme le WRX. Mais en vrai, vous savez, le tonton Moby, poulet, il vieillit, il veut juste avoir un petit truc pour se faire des petits plaisirs. Tu vois ce que je veux dire? Après, il y a d'autres machines aussi, un petit peu cachées, voilà, si vraiment j'ai envie de me faire plaisir, je suis obligé de voilà, préparer la soubise de dingue. T'as compris? Alors, dernière petite chose au menu, voilà, donc il va y avoir. Petite prépa soft dessus qui ira très bien. On va essayer de chatouiller les 300 chevaux, ça serait pas mal et surtout en gardant un maximum de fiabilité. Voilà, c'est à peu près l'objectif pour le moment. Après, vous savez comment c'est, l'objectif peut changer. Ou une fois que tu as 300 chevaux, tu as 350, puis après, tu as 400, machin. On verra bien. Et quoi qu'il arrive, le jour où le bloc lâche, ça part en boîte STI, ça c'est clair, et en EJ207 V7, voilà. Des versions STI japonaises, voilà, le fameux incassable, frérot, que j'ai quasiment trouvé, déjà, voilà, c'est-à-dire qu'on va essayer de le stocker, de le mettre sur l'étagère, il n'y a que la boîte, c'est plus compliqué, mais bon, si vraiment ça me casse les couilles, on mettra le gros billet, on prendra une boîte neuve, bas les couilles, mais bon, on va essayer quand même de la préserver au plus longtemps possible, s'il faut, ce bloc-là ne cassera jamais, voilà, et j'aurai une J207 qui traîne, donc je vais devoir... acheter un Foz, un vieux Forester pour pouvoir le swapper dedans et faire le débit dans les champs. Et dernier petit point donc pour le faible kilométrage qu'elle a, c'est tout simple, voilà, le proprio donc s'en servait que pour faire des petits meetings, des petits rassos soubis, des choses comme ça. Et il faisait en moyenne entre 1500 et 3000 km quand vraiment il bougeait, tu vois, ou qu'il partait en vacances de temps en temps avec, par an. Voilà pourquoi ben, elle a très peu roulé. La passion, c'est beau. Oh. Allez, nous allons rentrer dans le vif du sujet, comme on dit. Petit tour de la caisse.
Alors esthétiquement, comme vous avez pu le voir, je me suis empressé donc de fumer les feux arrière d'origine qui sont blancs et rouges, voilà, de base. Alors, je trouve ça tout simplement beaucoup plus joli, ça lui donne un cul frérot agressif de ouf. Bien évidemment les répétiteurs orage d'origine que je me suis empressé de fumer aussi. Et devant, ouais. Ça modernise un peu le truc, nous allons dire. Donc ensuite niveau esthétique, c'est en commande, ça arrive. Donc les centres de roues aux Z qui sont gris, forcément en aux Z bleu. Les 5 écrous de roues dans les lugnuts en bleu, que malheureusement j'ai oublié dans la commande, bien évidemment, ça fatigue Moby. Dis-moi comme il fait chaud. Dis-moi comme il fait chaud. Regarde comme il transpire le gros lard déjà. Hein, ça promet pour cet été, c'est beau. Ensuite en pièce, nous avons reçu donc le collecteur donc Fujitsubo en école lente, voilà. Ça me fatigue. Alors pourquoi un écho lente? Moby, tu es cinglé, tu vas perdre la tonalité, le son Subaru. Mais oui, je vais vous dire, je suis un fanatique de la marque Subaru, mais j'ai horreur du son rumble de la Subi. Je ne supporte pas ça. Ouais, vous allez dire, ce mec est bizarre. Pourquoi t'as acheté une Subi? Prends une Civic. Mais parce que les Civic, j'ai fait le tour. Oui. C'est pour ça. Le Fujitsubo en écho lente, voilà, c'est bon. À mon sens, le meilleur en écho lente qui puisse exister, voilà, et qui donne un son absolument incroyable à la machine, incroyable. Puis forcément, vu que sur les WRX 2001 comme ça, ben, le pipe est catalysé, ben, le pipe décatalysé, voilà, donc là j'en fais mon affaire. Et il restera donc le downpipe sur la ligne donc qui est catalysé. Alors je sais pas encore, voilà, si je passe sur un vrai downpipe sans rien couler et qu'on passe à la reprog. Ou si je prends un downpipe semi-catalysé en 200 ou 300 cellules, voilà, un truc airflow comme ils appellent, qui me permettra de peut-être passer le CT, parce que c'est pas sûr, même avec ce genre de pièces. C'est le seul truc qui me fait chier, quoi. J'ai pas envie de me taper le downpipe tous les deux ans, en fait, tu vois, pour aller juste passer le CD. Ça se fait, c'est rien, mais je sais pas. Alors bon, on est encore sur les réflexions, les gars, ça vous le verrez de toute façon au fur et à mesure de l'aventure, comme on dit. Et sinon, ben, j'ai donc un cutback quasiment complet, donc jusqu'au downpipe, marque Miltech, donc c'est du 70 de diamètre. J'aurais préféré du 63.5, malheureusement, 63.5, il n'y a aucune ligne qui me plaît. Aucune. Ça me fait chier. Bon, on est sur du 70, on n'est pas voilà, sur du 76, donc je me dis c'est un micmac qui peut être pas mal. Et ensuite, j'ai donc un bout qui part du downpipe et qui rejoint donc le cutback Miltech qui lui est en 63 avec un adaptateur. Donc en gros, je suis en 63 sorti du turbo et vasé donc sur du 70 jusqu'à la sortie finale, voilà, qui est en 100. On va essayer de faire un calcul dans le temps, quelque chose de bien pour essayer d'arriver aux chevaux que je veux, tout en gardant la fiabilité et en ayant surtout le son que je veux, parce que je suis très 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 sensible au son. Et le rumble là, je le supporte pas, j'ai envie de brûler la soubille à chaque fois que je la démarre, tellement que ça m'énerve. Hormis ça, ben, on va mettre un échangeur un peu plus gros, mais toujours en TMC, donc toujours voilà, sur le moteur et pas en frontal, de marque Michimoto. Dernier sorti de chez Michimoto, là, extraordinaire, je trouve, il s'intègre parfaitement, il n'y a rien à changer, rien à découper, machin. Voilà. Alors beaucoup me disent, mets la dumbbell, fais pite. Oh, je trouve ça low cost, je trouve ça trop à l'ancienne, tu vois ce que je veux dire. Alors peut-être ouais, une dump de chez GFB, hybride là, voilà, sur laquelle on peut régler tout simplement en la mettant soit en totale recirculation, donc comme d'origine, soit en demi, donc 50-50, soit en full libre, voilà, chez de grab off, tu vois ce que je veux dire. Peut-être voilà, une GFB réponse pour fiabiliser le truc, on va dire, ça c'est les à côté. Niveau intérieur, ben, classico, hein, voilà, le combiné 3 manos avec les 3 manos Zenki de Grobroff, classique, hein, qu'on essaiera après, c'est très compliqué, de remplacer petit à petit par des STI Genome, et c'est très 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 compliqué à choper, et surtout ça prend une cote d'enfer, ça coûte un œil. Mais bon, là c'est le top du top, tu vois, et elle le mérite, hein, elle le mérite. Hein. Donc ça, le kit 3 manos, et puis ensuite ben, le classico pour les turbo timers, voilà, pour pouvoir aller faire tes courses rapides sans attendre comme un mongolien pendant une minute ou deux dans ta bagnole, le temps que voilà, le turbo refroidisse.
avant de couper. Ça, c'est un petit peu la base sur le soumis. Tu vois, le kit 3 manos pour savoir où t'en es et le turbo timer, c'est presque la base obligatoire quand t'achètes une soumis. C'est le premier truc à faire. Niveau esthétique, donc en dernier, ben, malheureusement, comme vous pouvez le voir, voilà, vu que c'est un WRX bas de caisse, mon pain. Donc elle va partir chez mon petit carrossier du secteur. Un super taf sur Carca. Et qui va tout simplement voilà, hein, les faire en bleu pour finir la ligne. Quoi, tu vois. Ça, c'est le seul truc qui est vraiment, vraiment, vraiment dommage dessus. C'est comme ça, vous pouvez. Donc voilà, sans surprise, elle a 58 080 km. Bon, je l'ai eu à 56 800, donc tu vois que bon, on fait pas semblant. C'est déjà fait un petit peu plaisir, frérot. Sinon, je veux dire, voilà, rien à dire. Hein. Ça démarre au quart, ça tourne comme une horloge. C'est beau. Nous sommes sur un cold start de qualité, frérot. J'aimais pas du tout cette ligne Miltech, tu vois, mais au final, je pense qu'avec le collecteur Fujitsu, elle va sortir un son poulet incroyable. Une moto, le bordel. Bon, ben voilà, les gars, c'était une petite courte vidéo de présentation. Ne vous inquiétez pas, vous allez la revoir. J'ai deux choses à faire, comme vous l'avez vu, elle est dégueulasse, donc il faut que je m'empresse de la nettoyer. Parce que ce soir, c'est la Saint-Valentin, frérot, oui. Cette vidéo a été tournée le 14, vous l'aurez compris. Donc, ben, je vais m'empresser quand même de la nettoyer pour que, voilà. Hein, madame soit heureuse quand elle rentre de la conduite, c'est beau. Et puis en même temps aussi, je vais m'empresser de virer la paire de harnais Sparco qui me fatigue, poulet, qui servent à rien. Clairement, c'est full indiscrétion, tu vois, ça m'a fatigué. Donc là, ça dégage tout de suite, voilà. Hein, et puis on se retrouve à la prochaine vidéo. Pour les promos, ben, on vous oublie pas, frérot. Oh, qu'est-ce que c'est? Hop, hop. T'en as trop vu déjà. Et sur ce, les amis, check.